Kuna na istem. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Kolo aleki makambo na biso na makasi. Oui, solo. Reconnais, il dit que le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Neko na biso so sete kolo aleki makambo na biso. Eh, c'est ce qu'il est. Pe yango nde yazali. Parce que la Bible dit. Quand la Bible le dit. Que celui qui est en vous. Et te yozali kati na bino. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Aleki o yazali na mokili. Il est encore le même Dieu. Azali susu nzambe se moko. Ne change pas. Abongo na kati. Si tu as un problème. Soko zana li kambo. Dis-lui. Yebisaye. Il est capable. Azali na makoki. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et loko moko te ko zanga ko sala me pa ina ye. Et Dieu a fait que Frenzoni soit vivant. Ben, ça va s'arrêter de continuer à la bonne moi. J'avais prié. Bonne la qui? J'avais prié. La bonne la qui? Je pense que c'est peut-être lui-même aussi avait prié. La carrière peut-être aussi, mais pas bonne la qui? Mais Dieu lui a fait grâce. Qu'est-ce que ça va s'arrêter en Golou? Il n'était pas moi. À Koufa quitter. Il y a des salutations. Et ça y est, Bamboté. Frère Jean, Frère Jean-Claude Koulmouch. Neko Jean-Claude Koulmouch. Et salut l'église. A personne Gomba Mbote, principalement les anciens, à partir de Goma. Koutana Goma. Maintenant nous allons adorer notre Dieu. On va l'adorer avec joie. Vous l'adorez avec joie. Et si vous n'avez pas mangé, c'est lui qui donne la nourriture. C'est lui. Même si tu manques l'argent. Celui qui donne l'argent, c'est qui? Mais c'est lui. Et même si tu es malade. Mais c'est lui qui donne la vie. Et la bonne santé. Et la bonne santé. Et la bonne santé. Oh,
C'est encore pour nous un privilège d'être rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 7, il est écrit:
La fin de toutes choses est proche. Suka biloko manso matuko belemi. Soyez donc sages et sobres. Na bongo bozala batu na bwanya pe kotele mana katikati. Pour vaquer à la prière. Pona ko bondela. La fin de toutes choses est proche. Suka biloko nyonso belemi. Le système politique. Lolenge ko sala bukulaka. Le système religieux. Lolenge ko sala basandoni. Le système de ce monde. Lolenge ko sala bukilyo. Leur fin est proche. Suka na yango ebelemi. Quand l'épouse va partir, tango mwasi na libala kokende, au festin des noces, na nteke ya libala, il ne restera au système de ce monde, ekotika na lolenge ya kosala mokili oyo, que 7 ans. Kaka bambula sambo. 7 ans seulement. Bambula sambo kaka. Quand nous allons disparaître, tango tokolimwa. Quand nous allons partir, tango toko kende, au festin des noces, nanteke alibala, il restera au système de ce monde, ekotika na lenge ko kamba mokili oyo, 7 ans seulement. Bambula kaka sambo. Et le monde va passer par le jugement. Bemo kile ko leka na ko sambi sama. Il y aura de pleurs et de grincements des dents. Ekozala mile le plus ko soya mino. Pendant que l'épouse se réjouira dans la gloire. Wana mosi na libala ko sepela kuna na nkembo. Et après les 7 ans. Pe sino bambula sambo. Nous reviendrons sur la terre. Toko zonga na mabele. Il y aura un nouvel ordre mondial. Ekozala lenga ko kamba mayasika ya mokili. Christ. Christo. Et son épouse. Pe mosi na libala. Qui sera déjà sa femme? Oyesi akokoma mwasi na ye libala. Après le mariage au ciel. Sima libala ko sala mwana lola. Après la fête de mariage. Sima yanteke ya libala. Et le mariage. Pe libala. Ça sera la femme de l'agneau. Akozala mwasi ya mwana mpate. Et nous reviendrons. Pe tokozonga. Et nous régnerons avec Christ. Pe tokokonza elongo na Christo. Pendant 1000 ans. Na bambula nkoto. Sur cette terre. Namabele oyo. J'ai beaucoup apprécié quand l'homme de Dieu a dit ce jour-là. Kaina se prati mingi tangu moto na nzamba alwaki makolo wana. C'est là qu'il y aura un véritable état de droit. Wana penza état de droit ya sole kozala. Parce que tant que Satan est le prince de ce monde. Kwete tango nyoso Satan azali mokonza mokili oyo. Il y aura toujours des problèmes. Mindondo kozala kaka. Satan va toujours embrouiller. Satan akotya tango nyoso mobulu. Mais quand Christ sera sur la terre, Kastango Christo kozana mabele, et que nous serons avec lui, Beto kozala na ye, pour régner sur la terre, Bona kokonza na mabele, Satan, Satana, avec tous ses anges, na banje na nyonso, seront mis dans des en prison. Bango bakotiama na boloko. Satan sera arrêté. Satana kokangama. Et mis en prison. Pe akotiama na boloko. Tous les démons. Biyo mabe nyonso. On va les prendre. Bako kamata bango. Ça c'est dans Isaïe. Wana Isaïe ni Isaïe. Ils feront la prison. Ils seront mis dans des cachots. Bango bakotiama na boloko. Pendant 1000 ans. Na mbula nkoto. C'est là que les gens expérimenteront. Wana nebatu kubika penza. C'est que la justice. Nini yango buyenge bene. La paix. Kimia. Cela arrive. Yango ezali koya. Oui mes amis. So baningana ngai. C'est pourquoi. Natina wana. La Bible nous exhorte. Bible ezali kolendisa biso. Que la fin de toute chose. Ete suka biloko nyonso. Est proche. Ebelemi. Ne perdez pas de temps. Bele kisa susu tango te. Dans des choses inutiles. Na makambo ya pamba pamba. Dans la politique. Na politique. Na boye na boye. Ne mettez pas vos têtes là-bas. Bocha mito na bino kuna te. Occupez-vous des affaires du Père. Bino kipende makambo ya tata. Le Seigneur revient bientôt. Kona zali kosonga no ki. Nous avons des choses importantes. Tuzali makambo ya motuya. Les choses du royaume. Makambo ya mokonzi. Nous sommes dans le monde. Tozali na mokili. Mais nous ne sommes pas du monde. Tozali ya mokili te. Nous ne sommes pas du monde. Tozali ya mokili te. Nous sommes d'en haut. Bino tozali oya likolo. Nous sommes des pèlerins. Tozali baleki nzela. Et des voyageurs. Et balobaka kosala mobembo. Bientôt nous allons retourner. Kala te tokozonga. Nous allons partir au ciel. Dans la nouvelle Jérusalem. Na Yerusalem ya sika. Quelle belle
ville. Oh, ngumba nini okitoko. Elle est décrite. Yango italisani. Dans Apocalypse. Na emoni seli. Cette ville. Ngumba oyo. La Jérusalem. Est-ce que tu savais kokende? Ainsi, mes frères et sœurs. Na bongo bande konanga mibali basi. C'est le temps de préparation. Et là, il tango yako bongama. N'es-tu pas encore baptisé du Saint-Esprit? Yona no baptisé no limo santo te? Recherchez ça. Luka yango. Dans la prière. Kachina mabondeli. Dans l'obéissance à la parole. Na botos na liloba. C'est maintenant qu'il faut rechercher ça. Si tu as un seigneur ko luka yango. Si tu es insoumise à ton mari. Soko zangi botos na mabali na yo. Ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit. Ko luka le baptisé no limo santo te? Cherche d'abord Luka nanu, à naître de nouveau, yako pote mambale esika, à obéir à la parole, yako tosa liloba. Oui, cherche le baptême du Saint-Esprit. Et si ma Luka le baptisé no limo santo. Parce que le baptême du Saint-Esprit, on est le baptisé no limo santo, est donné, et pesami, au premier-né, na bana ya kulutu. C'est la bénédiction des premiers-nés. Na ili pambo li ya bana liboso. Dans Jacques 1:18, na yoane yambo, bisomi na mwambe, il est écrit, et komami, il nous a engendré, il a par la parole de vérité, pour que nous soyons des prémices. Alléluia. Amen. Le secret yake. Comme lui-même fut engendré. Lokola yemo ko apisa maki mboto. Par l'esprit. Nanzele molimu. Nanzele liloba. Nous aussi. Bisope. Nous devons être engendrés. To seigneur ko pesa mboto. Nanzele molimu nanzambe. Par Nanzele liloba nanzambe. Premièrement, la parole a été donnée à Marie. Yambo liloba pesa maki na Maria. Et Marie a cru. Pe Maria ndimaki. Alors Elohim est entré en scène. Nabongo Elohim ndi akota kina mosala. C'est comme ça que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Boyende moi na nzamba yaki na mokili oyo. Vous voyez? Omoni. Lisons d'abord nos écritures. Totangala na makomi na biso. Et nous allons continuer. Pe tokokoba. Sinon on peut parler comme ça. Ce qui bon était tokoloba boye. Et on se rendra compte qu'on n'a même pas lu. Et nous allons prier. Mais mettez-vous debout. Kasi botelema. Lisons d'abord dans Joël. Totangana na Yoele. Au chapitre 1. Na mokapo ya liboso. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Yilobana yawe yake pa na Yoele mwana na Pethuel. Écoutez ceci, vieillard. Boyoka boye bino mibange. Prêtez l'oreille. Vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants. À la génération qui suivra. Qu'est-ce qu'ils doivent raconter? C'est qu'à laisser les gazames. Oh, gazama, tikaki. La sauterelle l'a dévoré. Libanke aliaki yango. C'est qu'à laisser la sauterelle. Oh, libanke tikaki. Le gelèque l'a dévoré. Et yelek alia yango. C'est qu'à laisser le gelèque. Pe oh, yelek aliaki. Et Azil l'a dévoré. Et Azil pe alia yango. Et au chapitre 2. Pe na mokapo ya mibale. Verset 25. Ologo atukumba ina mitano. Et 26. Je vous remplacerai. Les années. Bamboula. Qu'ont dévoré la sauterelle. Le gelé. Le azil. Yeleki, le azil. Et le gazam. Ma grande armée. Que j'avais envoyé contre vous. Vous mangerez. Bokolia. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Et vous la qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple. Ne sera plus jamais dans la confusion. On peut aussi ajouter dans Jean chapitre 12. Pardon. Jean chapitre 12. Au verset 24. En vérité, je vous le dis. Solo, solo, na lobi na bino. Si le grain de blé, soki mbuma oya boule, qui est tombé en terre, oya koina mabele, ne meurt, et koufite, il reste seul, et kotika la yango moko. Et s'il meurt, kasoki akufi, il porte beaucoup de fruits, et kopote bambume bele.
inclinons nos têtes. Togumba mitona biso. Pendant que je veux prier. Wana na kobondela. Seigneur notre Dieu. Kolonza mbera biso. Nous voici encore en ce lieu de rendez-vous. Talabiso lisusu na sika oyo kokutana. Nous que tu as appelé par ta grâce. Biso bayo bengi na ngolo na yo. Nous que tu as sorti de toute confusion. Biso oyo bimisi na mobulu nyonso. Afin d'être tes disciples, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore venus en ta présence, afin que tu nous parles. Tu nous as rassemblés pour nous parler. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Il n'y a rien de bon dans un homme. L'homme est faillible, sujet aux erreurs. Mais toi, tu es infaillible. Tu es parfait. Ta parole est parfaite. Ainsi avons-nous besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que tu as envoyé sur la terre, comme conducteur, qu'il puisse nous conduire encore ce soir. Qu'il puisse nous instruire. Nous éclairer. Sur la parole de Dieu. Qu'il puisse nous parler. Au travers de la parole. Dieu notre Père. Tu connais les besoins qui sont dans les cœurs. Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, accorder à chacun, au-delà même de ses désirs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons de la restitution de l'arbre de l'épouse. De l'assemblée des premiers-nés. Inscrit dans le ciel. Comme nous l'avons vu. C'était hier. Les premiers-nés ont été choisis. Élu bien avant la fondation du monde. Le Dieu que nous adorons, le Dieu qui a créé l'univers, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, dans sa nature, il est esprit. Il est unique. Il est le seul esprit. Unique. Qui existe depuis l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc, il était seul. Le grand Je suis. Celui qui existe éternellement. Le Dieu mystérieux. Oui, c'est un mystère. Regardez comment les gens sont embrouillés. Ils vous sortent des faux dieux. Avec trois têtes. Avec ceci. Ça, c'est la pensée intellectuelle. Dieu est esprit. Et ce Dieu-là, au commencement du temps, il est apparu sous une forme visible. C'était la première chose. Avant que le ciel existât, avant que la terre existât, la première des choses qu'Elohim fit, c'était d'apparaître dans un corps spirituel. Une image. Et l'ilingi. Un corps angélique.
Tous les anges ont été créés à cette image-là. C'est la première chose qui est apparue. Au commencement du temps, Dieu est apparu sous une forme visible. La tête, les bras, la moto, ma boko, misapi, mais un corps spirituel. Et ce corps-là était enveloppé de la colonne de feu. Et c'est alors qu'il a créé le ciel avec tous les anges, les chérubins, et ils commencèrent à l'adorer. Là, son attribut de Dieu fut manifesté. Dieu signifie l'objet d'adoration. On commença à l'adorer. Et donc, au travers de ses corps, il a créé la terre. Et quand il a créé, les anges ont vu comment Dieu créait la terre. Dans Job 38, il demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ce que la Bible appelle les fils de Dieu, c'était des anges. Les anges, c'était des créatures. Ils étaient créés par Dieu. Comme des esprits. Donc dans des corps spirituels. Mais quand tu rencontres un ange, pas un chérubin, un ange, parce qu'il y a des anges, ils n'ont pas d'ailes, et il y a des chérubins et des séraphins, et ils ont des ailes. Mais les anges qui n'ont pas d'ailes là, si tu les rencontres, tu vas penser que c'est un homme que tu rencontres, alors que c'est un ange céleste. Voyez, ils ont vu comment Dieu créait jusqu'à ce que, après avoir créé sur la terre les animaux, les oiseaux, les poissons, alors il dit aux anges qui l'entouraient, maintenant faisons l'homme à notre image. C'est ainsi que le premier homme qui fut créé, c'était un homme esprit. Il ressemblait au corps spirituel de Dieu et même des anges. Et quand il a créé au travers de ses corps, alors il a manifesté son attribut de créateur. Là, dans son corps spirituel. Et la sagesse divine était à l'œuvre. Et dans tout l'Ancien Testament, tous ceux qui l'ont rencontré, ils l'ont rencontré sous cette forme-là, qu'on appelle une théophanie. Toutes les révélations de Dieu dans l'Ancien Testament, quand il est descendu chez Abraham avec deux anges, quand il a rencontré Abraham comme Melchisédek, tout ça, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Et tout cela montrait que plus tard, Dieu deviendra un homme. Et quand le temps est arrivé,
Dieu lui-même, il a engendré le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né d'entre plusieurs frères. Lui-même l'a engendré. C'était le Fils de Dieu engendré. Ayant la nature de Dieu. Il était différent du premier Adam. Le premier Adam, Adam était un Fils de Dieu créé. À l'image d'Elohim. Mais Kasi, le Seigneur Jésus, Yesu, lui, il fut engendré. Ye, mon boto na ye maki. Il avait la nature même de Dieu. Il avait le sang de Dieu. À tel point que quand Dieu l'a regardé, il a dit, alobi, celui-ci oyo, est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai trouvé plaisir d'habiter. Et Dieu vint et habita en lui. Dans Hébreux, au chapitre 1, au verset 6, il est écrit là-bas, lorsque Dieu a introduit dans le monde le premier-né, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges. Le Fils, Mwana, dans la nouvelle alliance, c'est lui qui est devenu l'image du Dieu invisible. Dans Hébreux 1, il est dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il est devenu l'image photo visible du Dieu vivant. Et tous les anges, que ce soit au ciel, sur la terre, tous genoux, réfléchir devant lui. Tous genoux. Un frère m'a demandé, il dit, le frère François, mais maintenant, l'ange de l'éternel, qu'est-ce qu'il est devenu? L'ange de l'éternel, il est toujours là. Il est toujours là. William Aaron Branham, pour la première fois, il a vu l'image de l'ange de l'éternel. C'est en 1946. Depuis sa naissance, son jeune âge, il entendait sa voix, dans le peuplier, l'ange du Seigneur, il lui a parlé, ne fume pas, ne bois pas, ne fume ton corps, ne suis ton corps d'aucune manière, avec les femmes, ne sois pas immoral, à cause de l'œuvre de Dieu qui sera accomplie en toi quand tu seras grand. Mais en 1946, pendant qu'il priait dans un lieu secret, loin, pendant la nuit, il voit une lumière. Et il entend le bruit de pas. Il regarde. Atali. Il voit. Parce qu'il a la forme de l'homme. Il voit un homme qui vient.
avec une peau un peu sombre. Comme le pronom. Comme le portugais. Hein? Le quoi, pas portugais. Hein? Pas trop clair comme les Suédois. Et ça dit que même ma casse était le quoi, pas comme le portugais. Le quoi, pas portugais. Et il avance. Père Adaïkoya. Branham le regarde. Voilà ma taille. D'abord, c'était la lumière. Et la lumière là, c'était la lumière de la colonne de feu. Et là, qui pole et continue à moto. Et cet ange. Et moi, j'ai un go. Il lui a dit, ne crains point. Parce qu'il voulait fuir. Hein? Tu es seul en pleine nuit. Et tu vois quelqu'un qui vient. D'abord une lumière. Et cet ange lui a parlé. William Branham ne l'a pas adoré. Celui que nous adorons maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et encore Jésus-Christ. Et il a été dit à tous les anges et l'homme qui a mangé de l'adorer lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Mais les anges, ils sont là, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Quand il y a une mission accomplie, le Seigneur lui confie la mission et il vient accomplir la mission. Mais cet ange, il a dit à Frère Branham, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand il a regardé, il avait environ plus de 80 kilos. Donc l'apparence, il était un peu géant, un peu grand, mais apparemment, c'est comme un homme avec plus de 80 kilos. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Alliance. L'ange de la Et il a parlé avec Frère Branham. Cet ange-là, il est enveloppé dans la colonne de feu. Quand il vient, et la colonne de feu, quand elle apparaît, cet ange-là n'est pas seul. Non, la présence de Dieu est là. La présence de l'Esprit de Dieu est là. L'ange de l'Éternel. L'ange du Seigneur. Et il a parlé à Frère Branham. Et après, il est reparti. Après avoir parlé, mais il lui a promis que je serai avec toi tout au long de ton ministère. Quand l'ange venait, Frère Branham, avant de prier pour les malades, il parle, il témoigne. Il faut lire le film, il faut voir le film. La profondeur appelle la profondeur. Il était en train de parler. Il avait déjà prêché. Et les gens maintenant devaient former la ligne de prière. Et il continue à parler. Il dit, j'attends l'ange. Et quand il voyait la colonne de feu venir, l'ange était là. Dans la colonne de feu. Et la présence de Dieu était là. Parce que ce n'est pas l'ange qui donnait des visions. C'est Dieu qui donnait des visions. C'est Dieu qui guérissait les malades. C'est Dieu qui opérait des prodiges. Et quand l'ange venait, il dit, je prends maintenant toute l'assemblée sous mon contrôle. Ça, c'est l'ange du Seigneur. Et Frère Branham a eu le privilège de voir en vision le Seigneur Jésus.
L'homme Jésus. Jésus de Nazareth. Il l'a vu en vision. Il dit lui. Il n'a pas une grande taille comme l'ange du Seigneur. Il est de taille moyenne. Azali penza, pour ne pas dire de petite taille. Il a une taille moyenne. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À qui Elohim a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tout pouvoir lui a été donné. Il est l'héritier de Dieu. Le Fils du Très-Haut. L'empreinte de sa personne. Et le reflet de sa gloire. Ayant la nature de son Père. Les anges, Bange, ce sont des serviteurs. Bazali basali. Ce sont des serviteurs. Bazali basali. Et l'ange de l'Éternel. Mais moi je la Yahweh. Il est là. Azali wana. Il est là. Azali. Il n'est pas mort. Akufati. Il est descendu. Akitaki. Même dans cette génération. Attends, les couilles. Un jour. Mokolomoko. Febranam. Nekobranam. Et était dans un hôtel. Azaraki, un hôtel moko. Avec son petit frère. Na lekinai. Howard Branham. Howard Branham. Et avec Billy Paul. Son fils. Neko, Billy Paul moi naï. Qui dormait dans leur chambre. Oh, là, la chambre là-bas. Et lui était seul. Paye Azaki moko. Et l'ange de l'Éternel. Paye moi je naï. L'ange du Seigneur. Moi je na kolo. Dans la colonne de feu. Na likonzi na moto. Est entré. À côté. Il est entré à côté, là où il y avait le lavabo. Et, si il y avait le lavabo, il y là qui? Et il se tenait là. Et frère Branham, lui a demandé à tout nier. Est-ce que je peux appeler mon frère Howard avec mon fils pour qu'il vienne te voir? Il m'entend toujours parler de toi. L'ange du Seigneur est là. Moi j'ai encore là. Quand il dit l'ange du Seigneur est là. Non, moi j'ai encore là. Les gens voyaient seulement la colonne de feu. Mais à l'intérieur. Et la tati. Comme Moïse. Le colamose. L'avait vu. À mon accueil. L'ange de l'Éternel. Moi j'ai Yahweh. Enveloppé. À Zingani. Dans la flamme de feu. Na likonzi na moto. La colonne de feu. Likonzi na moto. L'ange lui a dit. Moi j'ai le binaye. Va appeler ton fils. Que lui vienne me voir. Laisse ton petit frère. Et il est allé réveiller Billy Paul. Il était encore un jeune garçon. Il l'a réveillé. Et Billy Paul s'est réveillé. Il lui a dit. Tu entends toujours papa dire. L'ange du Seigneur. Mange dans colo. Il dit oui. Hey solo. Il est dans la pièce là-bas. Nous allons partir avec toi là-bas. Je vais mettre l'oreiller sur les yeux pour que tu ne paniques pas. Mais quand je vais enlever, regarde du côté du lavabo là-bas. Tu le verras. Il dit oui. Et ils sont partis. Ils lui cachaient le visage. Arrivé là-bas. Il en est à Longoli. Billy Paul le regarde. Billy Paul attaille. Aïe. En train de le regarder. Et l'ange du Seigneur. Mais moi je n'en peux. L'ange de l'Éternel. Mais moi je n'ai Yahweh. Avait le bras croisé. Il lui a dit aucun mot. Alors qu'il a été là comme à côté. Il n'a pas parlé. Alors qu'il a été. Il est resté seulement les bras croisés. Afin de attirer les gamins au camp. Il le regarde. Zéro côté là. Billy Paul le regarde. Billy Paul pas zéro côté. Et il a des cheveux qui tombent sur les épaules. Ses cheveux tombent sur les épaules. Et pendant qu'il le regardait, il voit maintenant une lumière. La colonne de feu. Elle n'est pas blanche. Il y a du vert. Il y a du jaune. Il y a du vert. Donc c'est pour mélanger. Et ça commençait par les pieds. Il voit la colonne de feu. Il commence à rayonner. Aux pieds. Ça commence à monter.
montagne. Et ça enveloppait l'ange du Seigneur. L'ange est en colo. Et la colonne de feu, l'ange a disparu. La colonne, c'est devenu la colonne de feu. Comme il conduit la moto, dans l'intérieur, la Kati, il y a cet ange-là. Et là, il a moins Johanna. Et là, la colonne de feu s'est allongée. Le conduit la moto suit. Elle est sortie et bimi, par la fenêtre. Na, elle a disparu. Elle est mouée. Ça, je l'ai entendu aussi de la bouche de Billy Paul lui-même. Quand ils sont venus visiter l'assemblée, quand nous étions à Rigini là-bas. Et à cette époque-là, j'étais son interprète. Et il a témoigné ça. Voyez, ça c'est l'ange du Seigneur. Mais il est différent du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, celui maintenant, qui est devenu le Seigneur Yahweh, lui a même est devenu l'image du Dieu invisible. Mais dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus n'était pas encore né. Dieu prenait des corps théophaniques. Melchisedec. Sans généalogie. Mais le Fils, il a la généalogie. Vous voyez? L'ange du Seigneur. Il a travaillé dans notre génération, dans le ministère de Frère Branham. Il a travaillé. Et le Seigneur Jésus, l'homme Jésus, il est dans la gloire, sur le trône, le trône du Père. Mais quand il était monté, ce matin-là, après la résurrection, il est monté comme souverain sacrificateur avec son propre sang. Et il est allé répandre ça. Où ça? Pas sur le trône du Père. Non! Au-dessus de l'arche, dans les lieux très saints. C'est là le trône de miséricorde. Il faut distinguer ça. Le trône du Père et le trône de miséricorde. Là où il a répandu le sang, c'est au-dessus de l'arche. Dans le ciel même, dans le lieu très saint. Mais quand il est monté, à Bethanie, quand les disciples regardaient, quand il est monté, là il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Sur le trône du Père. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ. Colo Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Dieu devenu homme. Vous comprenez? Quand Dieu l'a introduit sur la terre, quand il l'a introduit dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il a dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Donc il montrait par là que le Seigneur Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Parce que c'est Dieu seul, au commencement, qui créa le ciel et la terre. C'était lui, l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible.
Quand nous le voyons, ne vous posez plus de questions. Celui qui le voit, il a vu le Père. Il a vu le Père. Le Fils, c'est l'image. Le Père est invisible. Il est esprit. Invisible. Mais son image que vous pouvez voir, c'est son propre fils. Son propre fils. Et le fils connaît ça. C'est pourquoi, quand il parlait en tant qu'homme, il disait, mon père est plus grand que moi. Mais quand il parlait en tant que Seigneur Dieu, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Tout-Puissant. Vous voyez? Et hier, nous avons parlé de l'Assemblée des premiers-nés. Et nous sommes allés au cas d'Ésaü et Jacob pour montrer l'importance du droit d'aînesse, l'importance d'être un premier-né. L'Église épouse, c'est l'assemblée des premiers-nés. Vous voyez, et les premiers-nés des animaux et des bêtes, et plutôt des agneaux, de beurre, était consacré. Et les premiers-nés des hommes en Israël étaient consacrés au Seigneur. Le Seigneur dit, ils m'appartiennent. Et les premiers-nés des agneaux étaient réservés comme sacrifice d'expiation pour les premiers-nés d'Israël. Tout cela préfigurait Jésus. En tant qu'agneau de Dieu, premier-né, il devait mourir pour nous, ses frères, les premiers-nés, pour notre rachat, pour expier nos âmes. Et nous étions arrivés, en parlant de Jacob et Esaü, comment Jacob, qui comprenait l'importance du droit d'aînesse, Jacob, il a récupéré le droit d'aînesse de son frère Esaü, qui était un profane, qui a vendu son droit d'aînesse pour la soupe des haricots, pour la soupe des mwengi, pour les mwengi, pour les lentilles. Les lentilles mwengi. Ne comprenant pas l'importance du droit d'aînesse. Vous voyez, Bomoni, c'est ainsi que Jacob, Boyene, Yakobo, est devenu le premier-né. Akobaki mwana kulutu. Étant premier-né, Ekozaka mwana kulutu, il devait aussi recevoir la bénédiction des premiers-nés. Pour nous, les premiers-nés, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église épouse, pour nous, la bénédiction des premiers-nés, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons prêcher, nous pouvons parler, mais nous vous montrons toujours cette bénédiction-là. Dieu ne la donne pas à tout le monde. C'est seulement au premier-né. Ceux qui l'ont connu d'avance, dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le baptême du Saint-Esprit. Ici, nous ne parlons pas de l'onction qu'on retrouve sur plusieurs. Même dans les groupes de prière, l'onction est pas colamie.
ici nous parlons de l'habitation de l'Esprit de Dieu dans l'âme. Et le Saint-Esprit n'habitera jamais dans une âme qui croit la fausse doctrine. Qui croit des mensonges dans une âme qui est incrédule à la parole. Jamais. Le Saint-Esprit viendra sur ceux qui se sont identifiés dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont morts à la vie mondaine, qui sont morts à la nature péchée, qui se sont repentis, qui ont reçu en eux la semence de la parole de Dieu, et qui ont été régénérés par l'Esprit éternel. Cette force du Saint-Esprit qui vient dans l'homme et qui le change. C'est dans ce cœur là, un cœur nouveau, un esprit nouveau, le cœur purifié des idoles, les idoles de mensonges, de prostitution. Car c'est du cœur, jamais qu'on ne vous aime les dents, mais la mousine, que viennent les adultères, mais qu'ils nous m'ont passé. Toutes ces choses mauvaises, ils souillent l'homme, ils souillent de l'homme. Et puis ma gandé la katia moto. Le baptême du Saint-Esprit, l'ibatse molimo santo, c'est ça la bénédiction des premiers-nés. Quand Esaü a appris, Jacob est venu, il a arraché cette bénédiction. Il a pleuré. Mais c'était trop tard. Beaucoup pleureront. Tiens, ils sont déjà partis. Mais nous sommes partis au festin. Toi tu négligeais la bénédiction des premiers-nés, tu négligeais la promesse du Père et la Kaya Tata, le baptême du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, qui est l'assurance. Dieu vous prouve qu'il a grillé votre foi dans sa parole, dans le sacrifice. Tu es un vrai croyant. Quand il te donne ce sceau-là, c'est pour te dire tu es un vrai croyant. L'enlèvement, c'est pour toi. Dans Joël au chapitre 1, le prophète Joël a regardé un arbre que Dieu avait planté. Il a planté quand? Le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que Dieu a planté son arbre fruitier. Un très bel arbre qui portait de fruits. L'arbre fruitier de Dieu. Vous voyez, avec des branches, avec des feuilles, un bel arbre qui avait des fruits. Dieu l'a planté le jour de la Pentecôte. Même David, dans Psaume, au chapitre 1, il a vu cet arbre.
Parce que nous parlons de l'arbre de l'épouse. Mais sachez qu'il y a eu aussi l'arbre époux. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a l'arbre épouse. Qui est l'église du Dieu vivant. Dont le Seigneur a dit. Je bâtirai mon église. Dans Psaume. Au chapitre 1er, David a vu cet arbre. David a mona ki nzete oyo. Psaume chapitre 1er. Jembo mokapo liboso. Il a vu. A mona ki. Je veux dire que cet arbre c'est l'église. C'est l'assemblée des premiers-nés. Le premier né, quand vous lisez ici, David décrit cet homme qui est attaché à cet arbre-là. C'est Jean qui compose cet arbre-là. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est l'homme qui est attaché à cet arbre. Un homme heureux. Il continue. Il dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Ici, dans votre Bible, c'est écrit courant d'eau. Près d'un courant d'eau. La Bible, courant d'eau. Non, la meilleure traduction, c'est dans Roi Jacques. La Bible anglaise. Roi Jacques. Là, il est écrit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Au pluriel des ruisseaux. Ce sont des canaux. Hein? Oui. Des ruisseaux. Bikele yamai. Ah voilà. Des ruisseaux au pluriel. Bikele na ebele. D'eau. Bikele yamai. Une eau. Mai moko. Au singulier. Mai na moko. C'est-à-dire. Rigoloba. Neuf dons spirituels. Makabo libwe molimo. Venant de la même eau. Et où tu la mai c'est moko. Du même esprit. Na molimo c'est moko. Neuf fruits de l'esprit. Bambo malibwe ya molimo. Venant toujours du même esprit. Quand tu regardes la molimo, c'est mon corps. Vous voyez? Moni, cet arbre-là. C'était Wana. Elle est plantée. Et l'on a mis. Pas piqué comme un bâton. Évitez pas. Si tu as encore un zété, tu l'as mis. Non, elle a des racines. Et ça, il a mis ça. Elle a des racines. Et ça, il a mis ça. Elle est plantée. Et l'on a mis. Non, pas loin du Saint-Esprit. Non, si, quand il y a molimo sainteté. Près des ruisseaux d'eau. Le même esprit. L'esprit vivifiant. Regardez toutes ces églises. Qui se sont éloignées du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Les gens vivent comme le monde. Mais cet arbre. Elle est plantée. Elle est nami. Avec des racines. Nami sisa. Qui tiennent bon. Oui, si mi malamu. Près des ruisseaux. Pembeni abitere amai. David continue. David a kokoba. Il dit. Alobi. Près des ruisseaux d'eau. Pembeni abitere amai. Donc, des ruisseaux au pluriel. Bikele na ebele. Neuf dons spirituels. Makaboli bwa ya molimu. Neuf fruits de l'esprit. Amboli bwa ya molimu. Mais l'eau au singulier, c'est-à-dire venant du même esprit. Et comme vous dites, molimo, c'est moko. Qui donne son fruit en sa saison. Et le copé, ça m'bouma n'engo, la tango n'engo. Cet arbre, j'étais au yo, donne le fruit. Et puis, elle m'a dit qu'un mouma. Le fruit de la parole. Mouma, y'a l'iloba. En
par saison. Na elanga na tango na yango. Le fruit de Dieu. Mbuma ya nzambe. Pas un autre fruit. Mbuma mosusu te. Le fruit de Dieu. Mbuma ya nzambe. Dans quelle saison? Na ele tango nini? Dans la saison. Na tango. Où Dieu donne l'ordre au messager. Oyenza mwana yako pese tinda na mwame misango. De partir. Yako kende. Et d'apporter le message. Yako mema sango. Son fruit. Mbuma na yango. C'est le fruit de Dieu. Zali mbuma ya nzambe. Le fruit de la parole. Mbuma ya iloba. Dans la saison. Na tango. Où Dieu envoie le messager. Oyenza mwana yako tinda mwame misango. Envoie le prophète. Yako tinda mosakoli. Dans notre temps. Eligo mwana tango ya biso. Prophète. Atina ki mosakoli. Cet arbre. Zete oyo. Doit porter le fruit. Esengeli ko pota mbuma. Le fruit de Dieu. Mbuma ya nzambe. C'est un arbre. Le fruit est prédestiné. Tout est annoncé à l'avance. Écrit à l'ange. Et l'église de fer. Écrit à l'ange. Tout est prédestiné. Dieu annonce tout à l'avance. Pour vous montrer. Que c'est prédestiné. Et bon, ça m'a et dans le feuillage, mais oui, ma titre n'a pas de flétri quoi. Et kaoukakate. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons salé de colonga. Voilà, c'est là. L'arbre fruitier de Dieu. Zéto et botte comme mouma et nzambe. Je l'ai planté. Samalona kiango. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, dans Corinthiens, il m'a conté, il y a Moussa Namibali, du verset 1er au verset 11, là, ce sont les dons spirituels. Oui, là, il m'a cabo et molimo. Dieu a placé ça dans son église. Ça m'a tient mon côté l'église, là, les parlons là. Quand on va en côté, la prophétie, lui qui s'accolie, les dons de guérison, ma cabo et comme qui ça, les dons de prophétie, la parole de connaissance. Il m'a envoyé, vous pouvez venir là-bas. Vous pouvez venir là-bas. Tout ça, Nyansana, c'est pour l'église. Et ça, c'est pour l'église ensemble. Et dans Galate, et dans la Galatia, au chapitre 5, au Capitano, verset 22, le Mibali, là vous avez le fruit de l'esprit. L'amour, Bolingo, la joie, Esengo, la paix, Kimia, la fidélité, Osembo, la bienveillance, Olamu, la bonté, Oboto, la tempérance, Komikanga, la patience, Molaï. Tout ça, Nyansana, c'est le fruit de l'arbre. Et la Mouma, Enzete. Dieu a venu ça dans son église. Le jour de la Pentecôte. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Église encore Jésus-Christ. L'assemblée des premiers-nés. C'est comme ça que Dieu avait planté son âme. Elle portait le fruit. Ils sont partis. Guérissant les malades, priant pour les malades, parlant en langue, interprétant les langues, prophétisant, le don de l'esprit était manifesté. Le fruit de l'esprit était en eux. C'était les hommes les plus doux, les plus paisibles. Ils avaient la douceur du Saint-Esprit. Ils avaient la joie. Même s'il n'a pas mangé, il est toujours joyeux. En train de chanter. C'était le fruit de l'esprit. Et le don spirituel. Dans cette église. Du commencement. Du jour de la Pentecôte. Ils avaient des prédicateurs. Des hommes appelés de Dieu. Pas des aventuriers. Quelqu'un qui n'a pas l'appel de Dieu. Vous avez été, vous ne peut pas prêcher dans l'église du Dieu vivant. Non. Dans l'église du Dieu vivant. L'église de même dans les assemblées locales. Ils sont une partie du corps. Les diacres. Les anciens. Doivent faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent être baptisés dans le corps du
que Seigneur. Parce que nous battons maintenant dans notre temps encore sur Christ. Ils n'entendaient la parole que de la bouche de ceux qui étaient établis par Dieu. Pierre, il dit apôtre de Jésus-Christ, pas par la volonté d'un homme, mais de Dieu seul. Paul, serviteur de Dieu, tous de la part du Seigneur lui-même. Dans l'église du Dieu vivant, on ne s'aventure pas. Dieu ne t'a pas appelé. Alors reste à ta place. Alors, si Dieu t'a appelé, s'il t'a appelé à balayer dans la salle, balaye la salle. Dieu te bénira. Mais n'envie pas la tâche des nôtres. C'est Dieu seul qui avait établi dans son église les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, comme pasteurs, ou bien comme bergers. Ah oui, berger. Ça, c'est la correction biblique. Pasteur, c'est quoi on a suivi? Franck a parlé ici. L'origine des pasteurs, tout ça. C'est le mot qui est dans l'original. C'est berger. Il a donné les uns comme bergers, les autres comme docteurs, les apôtres, évangélistes. Qui a donné? Dieu lui-même. Et il les a donnés comme le cola. Comme le cola. Parce que le véritable, c'est le Saint-Esprit en eux. C'est le ministère de l'Esprit. L'homme se met de côté. Le Saint-Esprit entre en scène. Il prend le ministère. Il part le peuple de Dieu. Et à travers de la parole. Il ne prêchait que la pire parole. Pire parole. Paul, quand il parlait, il dit, vous Galates, dépourvus de sens, l'évangile que je vous ai apporté, je ne l'ai pas pris d'un homme, mais c'est par la révélation du Seigneur Jésus. Les pensées des hommes, les opinions des hommes, n'avaient pas de place là-bas. Mais la parole de Dieu, le ainsi dit le Seigneur. Mettez-vous les mains. Nous allons chanter ce cantique. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur ?